Shalom, shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle depuis New York, Manhattan, en cette date du jeudi 6 juillet 2017. Recevez la grâce de Dieu chez vous, là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous visite, que la main puissante du Saint-Esprit soit votre partage, que recevez la restauration de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu, recevez l'onction particulière du Saint-Esprit dans vos entreprises, là où vous êtes. Moi, je viens à peine de me lever. Il est 8h, heure de New York, Manhattan. Merci pour ceux qui viennent me prendre déjà en ligne. Que la gloire de Dieu soit sur vous, que la puissance du Saint-Esprit demeure dans vos vies. Soyez bénis par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce. Et quand je parle, la puissance du Saint-Esprit chez vous, et que chez vous, la puissance du Saint-Esprit sur ta vie, elle t'accorde la restauration maintenant même, pendant que je parle, la puissance de Dieu vient sur toi, elle apporte une bénédiction particulière à ta vie, maintenant même, pendant que tu es en train de m'écouter, et reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu, sois béni. Nous sommes, n'est-ce pas, en train de poursuivre un enseignement sur la prière et le jeûne. Je veux parler de la puissance du jeûne. Vraiment, c'est quelque chose qui fera du bien à chacun d'entre nous. Voilà, on dit quand l'époux sera enlevé, c'est cela même que les gens gêneront. Voilà, vous comprenez que c'est vraiment important souvent de jeûner, de prier. De prier, je suis en train de poursuivre un puissant enseignement sur le jeûne et la prière. Reçois la grâce de Dieu. Hier, j'ai été vraiment interrompu par rapport à ma bactérie qui était épuisée. Donc, on n'a pas pu, n'est-ce pas, achever pratiquement le jeûne d'essai. Voilà, si tu es là, j'aimerais que tu fasses des petits j'aime. Ça me fera du bien. Recevez la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on chante un chant. Je ne sais pas si tu connais aussi le chant, mais vraiment, c'est un chant qui me fait du bien. Qui me fait du bien. Mon âme soupira, près toi et mon esprit, en moi te cherche, toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, tu es mon bouclier. Ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul le désir de mon cœur, je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour te louer. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie, oh, toi seul est le désir de mon cœur, et j'ai dit, où t'adorer. Jésus est tellement merveilleux, vous comprenez? Celui qui est notre force, celui qui est le source de notre vie, il est le rocher sur qui j'ai fondé ma vie.
Aucun obstacle ne peut, n'est-ce pas, ébranler ma foi. Vous comprenez? Mon âme soupira. Près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui moi j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. J'aimerais qu'ensemble on adore le Seigneur et que nous lui disions tout ce qui est bon, combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant, combien de fois il est tout puissant. Il nous fera sortir de toute difficulté, il nous fera sortir, traverser le désert que nous sommes en train, n'est-ce pas, de braver. Il nous fera, n'est-ce pas, avoir la victoire dans les épreuves, dans les attaques. On adore le Seigneur, s'il te plaît. Adore le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Adore. Nous voulons t'adorer ce matin, Elohim. Nous voulons te rendre toute la gloire, aspirant du matin. Nous voulons te rendre toute la gloire, Elohim. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire, reçois l'acclamation. Tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être exalté. Nous te glorifions, le Dieu d'Israël, puissant tu es. Yeshua El Mashiach, nous te rendons toute la gloire parce que tu es puissant. Oui, tu es puissant pour décanter nos situations. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que dans les moments les plus difficiles, tu ne nous lâches pas, n'est-ce pas? Tu nous demandes A plus B. Que tu es fidèle, que tu es amour, Seigneur. Tu as dit, si une mère oubliait l'enfant, qu'elle a fait sortir des entrailles, toi, Dieu, tu ne pourras jamais nous abandonner. Oui, nous te bénissons pour ta fidélité, Adonai. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir encore et encore, le Dieu d'Israël. Nous voulons te célébrer parce que tu es vivant. Nous voulons te rendre toute la gloire. Encore, nous reprenons le chant. Mon âme soupira, près toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, le roc sur qui j'ai fondé ma foi et ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer parce que tu es Dieu, Jésus. Tu es mon bouclier, ma force. Oh my God. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je te loue même dans les épreuves. Je te loue parce que tu es vivant. Je te loue parce que tu es Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu es bon. Je veux te rendre toute la gloire, toi qui as donné un sens à ma vie. Mort à la croix, ressuscité que tu es, tu as donné un sens à ma vie. Oui, Dieu a donné un sens à ta vie. Il a donné un sens à ta vie. Bien-aimé, il a donné, nul ne peut venir à moi sans que le Père le n'attire. C'est cette parole qui doit te rassurer que tu es enfant de Dieu par grâce. La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce.
Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne te glorifie. Tu as été sauvé par pure grâce. Pour cela, il faut que chaque jour, tu sois en train d'adorer ton Dieu. Tu sois en train d'exalter ton Dieu. Tu sois en train de le célébrer parce qu'il est bon. Tu sois en train de le glorifier parce qu'il est fidèle. Oui, avant l'enseignement, oui, j'ai eu l'inspiration de chanter un cantique. C'est ce que j'ai en train de faire. Est-ce qu'on peut encore chanter le cantique qui ne m'a jamais déçu un jour? Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Oh, il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je suis dans la main de Jésus, il ne m'a jamais trahi un jour. Oh, il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Oui, il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais abandonné. Sauf cela qu'il est fidèle. L'étoile brillante du matin, il n'abandonne pas, il est fidèle. Ouais, je veux parler de la puissance du jeûne et de prière. Je veux parler ce matin de la puissance du jeûne et de prière. Et pendant qu'on est en ligne, je sens une bien-aimée qui a un problème d'esprit, de Marie-Esprit. Et cet esprit-là t'embête tellement longtemps et que ça fait maintenant 3 fois que tu as eu un problème, n'est-ce pas, de séparation avec des personnes. Tu t'es marié 2 fois et tu t'es séparé. Et ça fait maintenant 2 semaines, tu étais avec quelqu'un, en fait, qui était avec quelqu'un qui t'aimait bien et ça allait très bien. Ça fait 2 semaines que vous venez de vous séparer et tu ne sais même plus où mettre la tête. Je te parle ce matin en tant que prophète de l'Éternel. Je te parle ce matin en tant que prophète de l'Éternel. Le salut en train de s'approcher de toi et la puissance de Dieu te délivre de cet esprit maintenant même qui t'empêche de rentrer dans ton mariage. La puissance de Jésus-Christ s'approche de toi ce matin. Je parle à ce démon, cet esprit qui t'empêche de te marier. Je commande, je veux parler à ce démon-là qui t'empêche de te marier, en rentrer dans ton mariage. Je commande à ce démon-là qui t'empêche de rentrer dans son mariage. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à son époux. Ils deviendront une seule chair. Cette parole, cette promesse de la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Et que le mariage est aussi pour toi. L'esprit qui s'oppose à ton mariage, je commande à l'esprit. Parce que c'est un esprit rebelle. Frère, les esprits, ce sont des esprits rebelles qui s'opposent à la volonté de Dieu. Le plan de Dieu est que tu sois marié. Le plan de Dieu est que tu sois dans un mariage. Alors écoute, l'échec que tu viens d'avoir, il y a maintenant 2 semaines de cela, parce que tu espérais que c'était le meilleur homme et que ça allait aller tout bien. Maintenant, ça fait 1 an que j'étais ensemble et ça fait maintenant, 2 semaines que vous venez de vous séparer. Mais la grâce et la puissance de Dieu vient sur toi maintenant et pour te délivrer. Reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance de Dieu qui te délivre maintenant, la puissance de Jésus-Christ te restaure, la puissance de Jésus te fait rentrer dans une dimension de restauration maintenant même. Sa puissance te délivre, sa puissance te délivre. Regarde, la puissance de Dieu te délivre. Au nom de Jésus-Christ, l'échec, Dieu transforme ça en succès. L'échec, Dieu transforme en succès. L'échec, Dieu transforme en succès. Je refuse encore. Oui, je commande aux esprits. Je commande à ces esprits de, n'est-ce pas, du célibat. Oui, cet esprit-là part. Maintenant même, il part. Pendant que tu m'écoutes, je parle à ce démon-là. Je parle à cet esprit qui vient de te faire échouer ce fiançage. Je parle à ce... Oui, la prophétie s'accomplira. Oui, elle s'accomplira maintenant même. Oui, la prophétie s'accomplit maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à cet esprit. Je commande à cet esprit maintenant parce que c'est une fille de l'Éternel. C'est une fille de Dieu.
pour lesquels Jésus-Christ est monté à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas encore du travail, j'en profite pour prier pour vous maintenant même. Je parle et je prie pour vous maintenant. Le travail, la Bible dit, écoutez-moi une chose, c'est la promesse de Dieu. Elle doit s'accomplir dans notre vie. Elle doit. Et la Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Écoutez très bien cette parole de Dieu. Et la Bible aussi dit également que celui qui ne travaille pas doit pas manger. Non, ça dit, ça s'impose à chacun d'entre nous. C'est un impératif. Nous devons travailler. Tu dois travailler. Alors, le chômage est un esprit. C'est un démon que le diable a envoyé dans ta vie. Je commande à ce démon-là, qui est rebelle, qui se pose à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ce démon-là de chômage, ce démon de chômage, tu as des diplômes et tu ne travailles pas. Je commande à ce démon-là de partir maintenant même, parce que les démons, tant que nous ne les chassons pas, ils ne bougent pas. Donc je les chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton argent qui n'arrivait pas à rester, parce que oui, ton argent n'arrive pas à rester, maintenant même ton argent, je parle à cet esprit qui bouffait, qui détruisait tes finances, ces démons qui détruisaient tes finances, je commande à ces esprits de lâcher tes finances dans le nom de... Excusez-moi, dans le nom de Jésus, que ces esprits lâchent tes finances par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Tes finances doivent être libérées parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Reçois là où tu es. Reçois le travail au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu dit Ézéchiel, est-ce que ces ossements vivront encore, pourront revivre, les ossements desséchés? Tout a été desséché dans ta vie, tout est desséché, tu ne sais plus où mettre la tête. Oui, personne ne pense à toi, personne ne pense même te secourir, tout est bizarre dans ta vie. Il a dit, est-ce que les eaux vivront encore? Si, il dit, et tu le sais, il dit, prophétise. Et quand Ézéchiel a prophétisé, les ossements desséchés se sont transformés aux êtres humains. Je prophétise ce matin pour que tout ce qui est desséché dans ta vie reprenne vie. Tes finances reprennent vie. Tes finances, le travail, les portes du travail te soient grandement ouvertes maintenant même. Dieu t'ouvre les portes du travail. Dieu t'ouvre les portes du travail. Dieu t'ouvre les portes du mariage. Dieu restaure ta vie. Tu étais malade. Reçois la guérison maintenant même. Pendant que je parle, la guérison s'empare de toi. Jésus te guérit. Jésus te guérit maintenant. Jésus-Christ te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant même. La puissance de notre Dieu te guérit maintenant même. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu qui te délivre ce matin. Reçois la puissance de notre Dieu qui te délivre ce matin. Merci parce que Dieu te guérit encore. Il te délivre maintenant même. Dieu te délivre de l'esprit du célibat. Il te délivre maintenant de la pauvreté, de la misère, de ce qu'on appelle la main percée. Par moment, ton argent ne reste pas, cette main percée. Dieu te délivre, mon Dieu, te délivre de la main percée. Reçois cette onction de Dieu qui te délivre maintenant. Reçois cette parole de Dieu ce matin. Reçois maintenant cette prophétie sur ta vie maintenant. Reçois l'onction spéciale, tombe sur toi ce matin et l'onction brise le joug au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, le pouvoir du diable est vaincu. Le pouvoir du diable est vaincu. Toute forme de sorcellerie dans ta vie est renversée maintenant même. Les forteresses se sont brisées au nom de Jésus-Christ. Leur prison mystique est brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ta délivrance maintenant même. À distance même. Pendant que je parle à distance, reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Tu es malade. Touche la partie qui te fait mal. Et Dieu s'en charge maintenant même. Là où est la maladie, je parle à la maladie. La maladie disparaît maintenant. La maladie disparaît. Maladie quitte ce corps. Maintenant même, pendant que je parle, la maladie disparaît, le célibat disparaît de ta vie. Je commande au célibat de partir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout au nom de Jésus-Christ, ton emploi, ton travail est délié maintenant même. Dieu libère ton travail. J'envoie le feu et le tonnerre du Saint-Esprit. Le feu consume les œuvres du diable. Tu étais dans une prison spirituelle. Le diable brise les portes de cette prison spirituelle. Je libère tes finances. Je libère ta maison. Je libère ta femme. Je libère ton mari. Je libère tes enfants. Recevez cette onction ce matin particulière qui vient vous restaurer.
La puissance de Dieu vous restaure maintenant même dans le nom de Jésus. Je vous établis dans la grandeur. Je vous établis dans la grandeur parce que Dieu dit, vous ne serez pas, n'est-ce pas, la queue, vous serez la tête. Oui, je prophétise que tu sois la tête dans ta famille, que tu sois la tête dans ton entreprise, que tu sois la tête là où tu es, que tu sois la tête, sois le meilleur, sois la meilleure là où tu es, qu'on parle de toi. Et ça, c'est important. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom, qu'on parle de toi en bien, que les faux témoignages, que ceux qui se liguent contre toi, que ceux qui se liguent contre toi tombent et que tu trouves faveur aux yeux de ton patron, au nom de ton mari, tous ceux qui complotent les choses contre toi, que cela retourne contre eux dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette prophétie, c'est à toi. Maintenant même, s'accomplit sur ta vie. Une onction spéciale s'empare de toi maintenant même. Et la puissance de Dieu te restaure. Écoute-moi, la puissance de Dieu te restaure ce matin. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois la main de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, te restaure. Reçois la puissance de Dieu. Je prie pour tes finances, ton commerce, tes affaires reprennent vie maintenant. Tes affaires reprennent vie maintenant. Recevez la puissance. Ô Dieu d'Abraham, dans le nom de Jésus, souviens-toi de ceux qui sont en ligne maintenant et bénis-les. La puissance de Dieu vous bénit maintenant. Recevez la puissance de Dieu vous bénisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Recevez la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Recevez la gloire de Dieu. Tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Tu seras à la tête. Tu seras à la tête et non la queue. Dieu te restaure. Dieu te restaure ce matin. Il est sur tes lèvres. Tu as tellement pleuré dans le secret. Tu as pleuré. Tu as connu le rejet, l'abandon. Combien de fois les gens se sont moqués de toi. Combien de fois il y a eu l'abandon dans ta vie, le rejet. Mais Dieu est sur tes lèvres. Dieu est sur tes lèvres. Tu m'entends? Dieu est sur tes lèvres. Dieu te relève maintenant de ta chute. Dieu te relève maintenant. Il te fait asseoir à la table des rois. Il dit, c'est vous qui mangerez les fruits, les meilleures productions du pays. Dieu te fait asseoir à la table du roi. Maintenant même, tous tes ennemis qui se sont moqués de toi viendront s'humilier devant toi. Viendront s'humilier devant toi. Viendront s'humilier devant toi. Oui, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Écoute-moi, tu seras toujours en haut, tu ne seras pas en haut. La hauteur, tu seras dans la grandeur. Je t'établis comme roi et reine. Règne, règne. Dieu t'ouvre les portes financières. Dieu t'ouvre les portes. Maintenant, je prie pour toi. Oui, Dieu te donne d'enfanter, l'enfantement. Dieu te donne l'enfantement. Oui, au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Là où vous êtes, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit consume le tonnerre de la puissance de Dieu. Brise, brise le pouvoir du diable sur votre vie. Je libère ceux qui veulent vous mettre dans les cages spirituelles, dans l'emprisonnement spirituel. Soit brisé par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est... La Bible déclare que nous avons vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te touche maintenant. Elle t'accorde la restauration. C'est de toi qu'il s'agit. 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 Reçois la puissance de Dieu. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Dieu te bénit maintenant même. Reçois cette main de Dieu qui te restaure. Reçois cette main de Dieu qui te restaure. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois la puissante main de Dieu sur ta vie. Reçois-la maintenant, s'il te plaît. Reçois-la maintenant, s'il te plaît. Dieu suscite des gens, n'est-ce pas, pour relever ton commerce en t'envoyant de l'argent. Les portes financières grandement ouvertes maintenant parce que l'argent, l'or et l'argent appartient à Dieu. Et ton Dieu te bénit financièrement maintenant. Reçois cette bénédiction financière. Reçois ton mariage. Reçois, n'est-ce pas, ton travail. Reçois ta fécondité, reçois ton miracle, reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, ceux qui se sont moqués de toi viendront s'humilier à tes pieds. Ils confesseront toutes les bêtises qu'ils auront dit sur toi parce que tu as trouvé Dieu, grâce aux yeux de Dieu. Dieu te bénit maintenant. Soyez bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Dieu vous accorde la bénédiction maintenant. Recevez la gloire de Dieu. Recevez, vous n'êtes pas de n'importe qui. Recevez la gloire de Dieu sur votre vie. Recevez la gloire de Dieu. Que tout ce que vous désirez en tant que pro, tout ce que vous Dieu vous l'accorde maintenant. Tout ce que vous désirez avant la fin de l'année, que Dieu vous l'accorde. Si c'est une voiture, Dieu te le donne. Dieu te donne cette voiture. Si c'est une maison que tu voulais acheter, Dieu te donne cette maison.
Parole du prophète. Dieu te donne cette maison au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchias, prophétise. Et dit à Ézéchias, prophétise. Je prophétise sur vous. Prophétise sur vous ce matin. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu chez vous à la maison. Recevez la gloire de Dieu. Tout ce que vous désirez, oui, avoir un emploi, Dieu vous le donne. Vous désirez avoir des enfants, Dieu vous le donne. Vous désirez avoir un meilleur travail, Dieu vous le donne maintenant même. Vous désirez, n'est-ce pas encore des finances, Dieu vous le donne. Recevez la gloire de Dieu. Tu veux acheter une maison, Dieu te le donne maintenant. Reçois cette parole de Dieu. Reçois cette parole de Dieu. Tu voulais, acheter, n'est-ce pas, une voiture, Dieu te donne. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu sur votre vie. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Voilà, de tout mon étalon célèbre un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon étalon célèbre un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Elohim vous bénit au nom de Jésus. Le Dieu d'Israël vous bénit au nom de Jésus. Tu es béni, ma fille. Tu es béni, mon fils. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. La grâce de Dieu abonde dans votre vie. Recevez la grâce de Dieu. Tu achèteras ta maison. Tu auras ta maison. Tu finiras cette maison. Tu auras ta voiture. Tu auras ton travail. Parole de prophète sur ta vie. Vous ne serez point la queue, vous serez la tête. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Et cette promesse est faite pour toi. Elle s'accomplit sur toi. Le diable ne pourra rien contre ça. Parce que tu es un élu, une élue de Dieu. La prophétie, c'est pour toi. La prophétie n'est pas faite pour les morts. Les morts n'ont plus part à cette prophétie. Ils vont dans la félicité céleste. Ils vont se reposer. Mais la prophétie est faite pour nous les vivants. Elle s'accomplit dans ta vie. Voilà. Dieu te donne. Il dit, fais l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur désire quelque chose. Cette année, c'est d'acheter une maison. Dieu te donne les moyens d'acheter cette maison. Ton cœur désire d'avoir un mari. Dieu te le donne. Un mari qui va t'embrasser, qui va t'aimer, n'est-ce pas? Qui va toucher tes yeux pour dire, chérie, je t'aime. Le plus grand parastamol qu'on donne à une femme matin, c'est je t'aime. Avec un gros bisou. Le Seigneur te bénit ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu où vous êtes. Dieu bénit ton voyage. Dieu t'ouvre les portes du visa. Il t'ouvre les portes du visa. Dieu t'ouvre cette grande porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance de Dieu chez toi. Reçois la puissance de Dieu chez toi. Reçois la gloire de Dieu. Elle s'attache à toi. Elle s'attache à toi. Il s'agit de toi ce matin. Cette prophétie s'adresse à toi. Cette prophétie s'adresse à toi. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Elle se manifeste dans ta vie. Elle se manifeste dans ta vie. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Pourquoi on prophétise sur vous? C'est important. Parce que quand tu parles la parole, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole. Il faut prophétiser. La prophétie s'accomplit maintenant. Tu es béni maintenant. Reçois la gloire de Dieu. Tu es béni. Tu auras ton mari. Tu es béni. Tu auras ta femme. Ton épouse. Tu auras, n'est-ce pas, le travail. Tes affaires iront mieux au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu sur toi ce matin. Recevez la gloire de Dieu sur vous matin, ce matin. Recevez la gloire de Dieu chez vous ce matin. Je vous bénis, peuple de Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Vous comprenez, je suis très heureux de prophétiser sur vous. Je crois ta bénédiction. Ne désespère pas. C'est une question de temps. C'est à toi que je parle. Ne désespère pas, c'est une question de temps. Mais elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Parole de prophète sur ta vie, ce matin. Dieu te restaure ce matin. Dieu te fait du bien ce matin. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus.
Reçois la gloire de Dieu sur ta vie et dans le nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Elle agit encore. Elle se manifeste dans le nom de Jésus. Voilà. Vous permettez au moins. Ma peau. Je dodo wani nuna kala gousiu. Ma peau. Je dodo wale luna kala gousiu. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Ma peau. Ye dodo wani nuna kala gousiu. Ye. Ma peau. Ye. Ne dodo wale luna kala gousiu. Elie la gonzia ziliwa wu. La gonzia siliwa wu. Mon la gonzia siliwa wu. La gonzia siliwa wu. Siliwa wu. Mon la gonzia siliwa wu. Ziliwa wu. Ziliwa wu. Ye. La gonzia siliwa wu. Ma pe wu. Dieu a vaincu la sorcellerie dans ta vie. On va attacher les gougnons jaloux qui nous insultent. Mais qui sont vaincus. Agua kunyon, kunyon le, Jésus a gagné moi. Agua kunyon, kunyon le, Jésus a gagné moi. Agua kunyon, kunyon le, Jésus a gagné moi. Agua kunyon, ni moi. Agua kunyon, kunyon le, Jésus a gagné moi. Agua kunyon, kunyon le, Jésus a gagné moi. Agua kunyon, kunyon le, Jésus a gagné moi. Nye moua. Agua kunyon, nye moua le, nye moua. Agua kunyon, nye moua. Nye moua, agua kunyon le, Jésus a gagné moi. Agua kunyon, kunyon le, Jésus a gagné moi. Agua kunyon, nye moua. Agua kunyon, nye moua. Agua kunyon, nye moua. Agua kunyon le, Jésus a nye moua. Nye moua. Agua kunyon le, Jésus a nye moua. Nye moua. Agua kunyon, nye moua. Nye moua. Nye moua. Agua kunyon. Attachons le diable. Agua kunyon. Tous les kunyons là, on les attache. On les ligote, on les met dans une cage et on met feu, on met piment dans la cage là. Et puis ils vont éternuer. Et on les jette dans la mer. Agua gougnon, gougnon les, Jésus, on vous attache, vous les gougnons, on vous attache. On vous amène dans la cage, on met dans la cage. Assez de piment, piment bec d'oiseau là, là ça pique bien. On met dedans le feu et vous éternuez maintenant. Et vous jette dans la mer. Agua gougnon. Gougnon le. Jésus a gagné moi. Nye moua. Vous les gougnons, on vous attache. On vous met dans la cage. Vous n'avez pas dit, vous savez que vous mettez les gens dans la cage. Et puis on met un piment dans la cage, là, et le feu. Vous éternuez. Agua gougnon, jette dans la mer. Nye moua. Agua gougnon. Nye moua. Les gougnons, ils sont vaincus. La jalousie est une sorcellerie. Voilà, la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, il est sorcier. Vous savez, avant d'aborder l'enseignement, Jésus-Christ, les gens sont venus accuser. Le diable, son ministère, c'est un accusateur. Le diable, c'est un accusateur. Dans Apocalypse 10, 12, le verset 10,
La Bible déclare que nous l'avons vaincu, l'accusateur de frères, à cause de la parole de notre témoignage. Le diable, c'est un accusateur. Vous comprenez? Ils sont venus, ils ont envoyé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils lui ont dit à Jésus, il faut que tu la condamnes. Parce qu'elle n'est pas bien cette femme, elle est mauvaise, elle n'est pas bien. Jésus lui dit que celui qui dit n'a jamais péché, qui prend la pierre pour jeter. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui accuse à toi à travers, mais je délivre les gens. Jésus-Christ délivre les gens. Jésus-Christ n'est pas celui qui insulte. Un véritable homme de Dieu n'est pas celui qui doit insulter quelqu'un. Et si tu sens que quelqu'un est possédé, il va le délivrer. C'est la mission première du chrétien, c'est de délivrer. Vous comprenez? Voilà. C'est l'éducation qu'on a reçue. Donc, quand on ne reconnaît pas ça dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est que le monsieur, il est dans notre camp. Jamais on a vu Jésus insulter quelqu'un. Jamais on a vu Jésus vilipender une personne. Et cette femme qu'on avait pris de flagrant délit d'adultère, elle a été délivrée par l'amour que Jésus-Christ manifestait. Pour elle. C'est vrai qu'elle est en faute parce qu'elle avait commis l'adultère, mais en même temps Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'occuper d'elle, Jésus-Christ l'a délivrée, dit, puisque les gens ne te condamnent pas, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est ça, va et ne pêche plus. Et Jésus-Christ, et la femme a été acquittée, voilà, les accusateurs, mais eux-mêmes ont fui, parce que le diable, lui, est toujours en train d'accuser, en train de dire, lui là, c'est un pécheur, lui là, c'est un sorti, lui là, comme ça. Le diable, Jésus-Christ, lui, manifeste l'amour. Donc, un véritable enfant de Dieu doit manifester l'amour autour de lui. C'est pour cela que moi, je ne rentre pas dans cette histoire d'insulter un homme de Dieu, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est d'attaquer le diable. Et le diable, il est là, voilà. Ouais, il faut chasser le diable dans la vie des gens, il faut les délivrer, c'est ça qui est la vérité, il faut les aider, n'est-ce pas, à vivre leur vie. Voilà, donc nous allons maintenant vers l'enseignement, la puissance du jeûne et de prière. La puissance du jeûne et de prière. La dernière fois, nous avons vu, n'est-ce pas, la puissance du jeûne dans la délivrance. Dans Matthieu 17, 21, la Bible dit que tel sort de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Je vous ai dit, il y a des démons qui sont têtus. Hein. Je vous ai dit ça la dernière fois. Je te fais une révision avec vous. Comme un monsieur, un évangéliste. Toi, tu vois un possédé. Tu veux aller le délivrer. Or, l'évangéliste là, il a tapé le tête du possédé. Sors. Il y a des démons, hein. Il y a des démons, puis il y a des démons. Hein. Voilà. Or, l'évangéliste, excusez-moi, hein, pardonnez, on entend de faire enseignement. Je vous emmène ça tout à l'heure, le passage. Voilà. Le possédé, écoutez-moi très bien, le possédé. Là, le possédé, attends. Écoute. Le procédé l'a regardé comme ça. Oh, nos chers évangélistes, il avait porté un pantalon avec une ceinture vaincue. Vous connaissez la ceinture vaincue? Ça veut dire que le petit cul là, hein, il y avait, c'était un peu bouffé. Voilà, donc il était déjà en danger. Il ne savait pas, il voulait délivrer. Donc il a touché la tête du monsieur. Sors. C'est un démon têtu. Nous, on rencontre souvent les démons têtus comme ça. Mais on est très prudent. Parce qu'un démon comme ça, il est imprudent. Moi, une fois, un démon a voulu me gifler. Puis j'ai bloqué, donné des points. Souvent, on me donne des points parce que les démons ne veulent pas sortir des corps, vous comprenez? Donc, il faut être très vigilant quand tu fais la délivrance. Donc, le jeûne de prière dans la délivrance, comme j'enseignais tout à l'heure, et l'évangile le pousse. Or, le possédé maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris le pantalon, il est tombé. Or, sa main était sur la tête du possédé. Il poussait, sort, le démon. Le démon guérit. Oh. Il dit, sors, je ne m'effraie pas. Tu ne m'effraies pas, toi, démon, tu ne m'effraies pas. Il dit, le possédé dit, le monsieur dit, démon, sors, tu ne m'effraies pas. Hein? Tu penses que tu m'effraies, hein? Jésus même est le lion de la tribu de Juda, il s'est fait honquer toi. Jésus même, là, il est le lion de la tribu de Juda, il s'est fait honquer toi. Toi, démon, tu m'effraies. Le démon est tombé sur lui, vous comprenez? Il a attrapé son pantalon. La ceinture vaincue, là, s'est coupée. Or, l'évangéliste n'avait rien en bas. Maintenant, c'est l'évangéliste qui dit, ah, Seigneur, dans pleine croisade, l'évangéliste, le démon l'a mis nu.
Le démon l'a mis nu en pleine croisade. Toi, tu veux faire délivrance. Tu ne portes même pas un petit truc chocoto en bas. C'est 500 francs. C'est pas cher. C'est 500 le chocoto. Et la ceinture, là, au moins 1000 francs, tu peux avoir. Mais ta ceinture est vaincue. Petite ceinture vaincue, bizarre. Et c'est toi qui veux aller chasser un démon guerrier. Et tu touches sa tête. On est tellement à distance pour dire sort. Même à distance, le démon peut sortir. Le démon sort. Au nom de Jésus, sort. Toi, tu veux mettre ta main. Le démon a regardé la scanner. Il dit le monsieur là-même là. Attends, t'as sa ceinture là-même là. Attends, il voit un peu. Sa ceinture. Il a vu que la ceinture du monsieur là-même, c'est vaincu façon. Il a regardé, mais il dit qu'en bas là-même, il n'y a rien dedans. Hein. Voilà. Donc, il veut m'humilier, non? Le démon dit, le vieux père là-même veut m'humilier, non? Attends, avant de partir, même là, on va voir qui sera humilié. Les démons, vous voyez là, ce sont pas nos camarades. Oui, je veux les démons. Oui, je veux les possédés. Le gars est possédé. Il dit, le vieux père là, c'est moi, il veut humilier. Hein? Moi, j'ai fini l'humiliation. Hein? Vous savez que les démons, ils ont fini d'humilier les gens. Hein? Voilà, ils ont fini ça. Donc, il regarde même, le démon va scanner. Il regarde même, le vieux père en bas, il n'y a rien. Le chocoto, il ne met pas ça. Je ne sais pas pourquoi lui ne met pas le chocoto. Or, il faut mettre le chocoto, souvent, c'est important. Lui ne met rien en bas, il ne met pas le chocoto. Sa ceinture de Gagamel est là, c'est presque en train de partir. Il dit, ah, ok. De toi à moi, on va voir qui sera humilié. Donc, pendant qu'il attrape comme ça, le vieux père l'attrape, il dit, ah, lui, le démon, il fait son plan. Il dit, ah, c'est moi, le vieux père dit, ah, c'est moi, si moi tu fais, ah, Jésus même, là, le lion de la tribu de Judas, il s'est fait, ah, que toi, au nom de Jésus, ah, aussi. Ah, le démon dit, ah, le possédé, mais regarde le gars. Il dit, ah, aussi. C'est moi, tu veux, frère. C'est moi, tu veux, frère. Hein? Tu lui attrapes sa tête. Le possédé dit, oh, oh, le possédé, là. Il regardait, il scannait la ceinture de Gagamel bizarre qui est déjà partie. Il a scanné en bas même, là. Il y a pas Chocoto. Ah, l'évangéliste même, il vivait la galère, comprenez. C'est une histoire vraie. C'est pas une question d'amusement. C'est passé à Soubré. J'étais dans la salle. Hein? Faisais délivrance. C'est moi, mais je suis allé séparer par là de ça, là. Ah, ben si les vieilles mères ont commencé à fuir. Hein? Le possédé est descendu sur lui, il a attrapé le pantalon. Il dit, sur la tête m'attrape. Non? Le possédé a attrapé le pantalon. Brou! Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vu nous tous. Hein? L'évangéliste l'a dit, ah oh, Seigneur, laisse-moi. Il dit au possédé, laisse-moi. Le possédé dit, tu n'avais pas peur de ah, voici le vrai ah maintenant, le vrai ah. La salle n'était pas vide. Parce que moi, il faisait la délivrance. La salle, nos mamans étaient là, nos vieilles mères, on crie ah, Alakbar, Alakbar. Les femmes du lait étaient dans la salle, Alakbar, Ah, ça foulaille. J'ai dit, mais pourquoi les djoulas en même temps, tout le monde parle, il y a quel problème? J'ai dit à moi-même, j'ai dit, ah, c'est gâté. Hein? Maintenant, le possédé même s'en va, mais il va attraper. Il dit, ah, non, t'as tué le gars? Tu as le tué? Il crie maintenant, hein? Papa, il dit, ah, c'est moi qui t'envoie là-bas. Papa. Le possédé a commencé à le mordre maintenant. Il me mange. Maintenant, moi, il dit, hé, petit, quitte là. D'ailleurs, il a dit le procédé comme ça. Il dit, ah, toi, si tu veux venir, il dit, moi, je n'ai pas porté ce truc de Gagamel. Hein. Moi, je suis bien. Moi, je suis en guine. Je suis en petit paire de basket. Je suis propre. Je le regardais. Il dit, ah, il veut venir. Il veut faire la même chose. Le gars m'a scanné. Il sait qu'on n'est pas la même chose. Il n'y a pas ceinture de Gagamel. Bon guide, je commande à l'esprit. Pas au nom de Jésus. Je n'ai pas mis ma main sur sa tête. Je dis pas au nom de Jésus. Pas. Il m'a regardé comme ça. Il dit. Je dis au nom. C'est un ordre. Je te commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pas. Il est tombé. Tu vas partir, hein? J'ai dit, sors.
En 5 minutes, le démon est parti, le match est gagné. C'est fini. Alors le démon avait dit au monsieur, j'ai été humilié. Je dirais l'évangéliste même s'est versé sur lui. Hein? C'est pour ça que quand tu veux aller faire délivrance, il faut, apporter, attacher une bonne ceinture. Il faut mettre Chocoto en bas. On ne sait jamais. Vous voyez? Donc, je reviens sur l'enseignement où Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous comprenez? Et en même temps, il dit, tel sort de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a des situations où le jeûne doit intervenir. Ah oui, le vieux, il a peur. Seigneur, papa, papa, j'étais obligé d'aller le sauver. J'étais obligé de sauver le gars, sinon c'était mort sur lui. Non? Les femmes du lac et tout connaissent nos mamans du lac, là, elles ont vu le prophète Krasso se faire délivrant. Maintenant, l'évangéliste, là, la djafoule. Elle dit, la kubaro, safoulaï. La salle est gâtée. J'ai dit, mais pourquoi tout le monde crie? Je regarde, c'est gâté dans la salle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais attends, tu veux faire délivrance? Ah, faut t'apprêter. Il dit, non, lui-même, il ne sait pas. Oh, j'ai dit à sa ceinture même, là. C'est parti comme ça, le cul, là. Bah, c'est parti, Gargamel. C'est parti. J'étais obligé de lui donner, il y avait 10 000 francs. Il dit, bon, s'il te plaît, va aller payer. Tu as vu, non? Il faut aller payer les petits trucs comme ça. Hein. Tu vas t'arranger un peu, tu as compris. Ça va t'aider. Voilà, donc, dans la matière de délivrance, comme je disais, le jeûne souvent intervient beaucoup. Le jeûne important. Vous comprenez? Le jeûne important. Il dit, telle sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a des démons, quand vous n'arrivez pas à sortir, parce qu'il y a pas un moment où vous voulez vivre une expérience, vous voulez faire une expérience avec, n'est-ce pas, vous faites la délivrance des possédés, n'est-ce pas? Vous voulez délivrer les gens qui sont possédés, et c'est difficile par moment pour vous, n'est-ce pas? Donc, il faut souvent faire, souvent intervenir. Il faut souvent apporter, il faut souvent, n'est-ce pas, imposer le jeûne. Selon Matthieu 17, à partir du verset 21, telle sorte de démon ne sort que par le jeûne de la prière. Je disais comme ça, même ton mari, il a un souci, n'est-ce pas? Il a un souci, il a craché à l'alcool, il te trompe chaque jour, il est parti, la petite là le prend toujours. Quand il revient, il dit non, il a compris, il ne va plus partir, et puis il s'en va encore. Sa tête là, ça va encore là-bas. Il dort, mais il ne pense pas à toi. Il faut gêner. Ce démon là, il faut gêner. Matthieu 17, 21. Telle sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le problème, c'est que souvent, on prie, mais on ne jeûne pas. Or, le jeûne est vraiment très utile et même indispensable dans la prière. Souvent, on ne jeûne pas, sauf ça que par moment, les choses nous arrivent. Vous comprenez? Donc, l'importance du jeûne, dans matière de délivrance, ça a commencé, les démons se manifestent, mais ils ne sont pas encore partis. Mais il faut jeûner. Vous comprenez? Il faut jeûner et faire la délivrance. Ce genre de délivrance, on les fait ça trois jours successifs, n'est-ce pas? Une semaine vous commencez, l'autre semaine vous commencez, et puis après ça vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez commencer, même si l'individu ne veut pas gêner, que vous gênez, vous attaquez en esprit ces démons, les démons seront obligés, n'est-ce pas, de céder place à, n'est-ce pas, la présence de Dieu, n'est-ce pas. Hier nous avons abordé le jeûne de Esther. Le jeûne d'Esther, nous avons parlé ici de l'histoire. Écoutez-moi, je reviens encore sur l'histoire de ce jeûne-là. Hein, nous prenons Esther, n'est-ce pas? Nous rentrons dans la parole de Dieu. Nous prenons Esther, le livre d'Esther, de l'Ancien Testament. Le livre d'Esther, le chapitre 4, ce qui va nous intéresser. Et après, ça, nous allons un peu lire le chapitre 5. Le livre d'Esther, le chapitre 4, le chapitre 4. On dit, Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements et s'enveloppait d'un sac et se couvrit de cendre. Puis allant au milieu de la ville, en poussant avec force des cris d'alarme. Et ici, le verset 2, il se rendit jusqu'à la porte du roi, et dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Le verset 3, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs.
Il gênait et pleurait, il se lamentait et beaucoup, il se couchait sur le sac et la cendre. Le verset 4, les servants d'Esther et ses eunuques. Un eunuque, c'est celui, n'est-ce pas, qu'ils ont castré. Voilà, écoutez-moi très bien, on dit ses servants et ses eunuques. Un eunuque, c'est celui qu'on a castré. Et c'est les eunuques là qui lavaient les reines. Parce que si un eunuque n'est pas castré, la reine elle est morte. Excusez-moi. Donc un eunuque, c'est les hommes qui lavaient les reines avant, hein, mais on le castre pour qu'il soit sage. Donc un eunuque ici, on dit les servants, hein, on dit c'est les servants d'Esther et ses eunuques. Voilà, on dit ses servants et ses eunuques. Un eunuque, c'est un homme qui est castré, qui est chargé de laver la reine. Parce que s'il n'est pas castré, vous savez très bien, il ne sera pas sage. Donc, on les prend là, on les castre. C'est un truc qui sont chargés de laver la reine. Parce qu'une reine, ce n'est pas camarade de quelqu'un. La reine, elle est très bien, belle, parce que tes yeux même savent qu'elle est belle. Donc, si quelqu'un doit la laver, c'est qu'il doit être castré. S'il n'est pas castré, le roi va rendre témoignage. Voilà, donc on dit ses servantes, hein, et ses servantes... Et ses eunuques, voilà, donc un eunuque, c'est celui qui est castré, hein, qui est chargé de veiller sur la reine, la laver, tout ça, parce que si tu n'es pas castré, parce qu'à l'époque, le roi pouvait avoir 20-30 femmes, hein, si c'est un homme qui doit veiller, parce qu'elle dit, mais ça fait 30 jours que je n'ai pas encore vu mon mari, or, si le monsieur n'est pas castré, il risque de ne pas être sage, donc le roi, il est très prudent, il est très, il dit, mais il faut que celui qui vient prenne ma femme, qu'on les castre, donc les eunuques sont les gens castrés qui s'occupaient, n'est-ce pas, de femmes. On dit, voilà, donc les servantes d'Esther et ses eunuques viennent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle n'a jamais vu Mardoché dans ce genre de comportement, situation. Elle envoya des vêtements et à Mardoché pour le couvrir. Elle lui fait ôter son sac. Mais il ne les acceptait pas. Il n'a pas accepté tout ça. Le verset 5. Alors Esther s'approcha d'Attac et des eunuques que le roi avait placés auprès d'elle. Vous voyez, donc des eunuques que le roi avait placés près d'elle. Vous comprenez? Voilà, parce qu'un eunuque là, s'il n'est pas castré, ah, le roi va rendre témoignage. De l'absence de 2 mois, il ne vient pas voir sa femme. Hein, le eunuque, il va prendre. Mais un eunuque, c'est celui qui est castré, n'est-ce pas? Voilà. Et elle se chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Pourquoi Mardoché fait ça? Hein? C'est mon oncle. Et puis, il est là, il est dans les sacs, là, dans les bras, là. On dit un clochard. Il fait à quoi? C'est comme ça, porteur de deuil. Vous savez qu'à un moment donné, du peuple d'Israël, quand il y a une désolation, quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Il portait la cendre et tout ça. Oui, il va rendre témoignage de l'unique. Il va rendre témoignage. Son absence pendant trois, parce qu'une femme, là, c'est pas ta petite soeur. Elle rend témoignage. Donc, celui qui suivait l'unique et la femme, il faut qu'il soit castré. Sinon, le roi rendra témoignage. Ouais, elle chargea d'aller demander à Mardoché, tout ça. Et l'attaque se rendit vers Mardoché à la place de la vie et demanda devant la porte du roi. Et Mardoché lui rencontra tout ce qui était arrivé. Donc, Mardoché a commencé à parler pour dire, franchement, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai porté du sang et de la cendre, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas ici en Israël. Le roi a pris un décret, il a décidé d'exterminer tout le peuple juif. Franchement, ça me vraiment désole et ce n'est pas du tout bien. Voilà, donc c'est pour cela que je suis en moment de prière. Et que le roi a décidé, il dit, Aman avait promis de livrer son trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Donc, ils allaient tuer les Juifs et ils allaient prendre tout leur argent et tout ça. Donc, j'avais eu un décret qui a été signé. Il lui donna ainsi une copie, les 10 publiés dans Suisse et vu la destruction, afin qu'il le rencontre à Esther. Donc, il a envoyé le papier pour dire, voici, ça a été publié dans tout le pays. Voilà, voici le papier. Et puis, il a dit, demande grâce en faveur de son peuple. Il a dit, va, dis à ma nièce de demander pardon à son mari, parce que là, la situation est grave. On ne sait plus maintenant ce qu'il fait. Regardez, on dit, Esther chargea d'attendre d'aller dire à Mardoché. Il dit, ah, donc c'est pour ça qu'il pleure devant la porte et tout ça. Il dit oui. Maintenant, il dit, va lui rapporter. Il dit, le verset 11, tous les serviteurs du roi, elle compte maintenant l'histoire.
Papa, j'ai une question. Est-ce que tu connais ce qu'on s'appelle la colère? Oh, moi, j'ai le Saint-Esprit. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Vous comprenez? Non, je ne laisse pas la place à cette chose de matin. J'ai le Saint-Esprit en moi. Le verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi s'avancent. Sans qu'il existe une loi. C'est-à-dire, il va dire à Mardoché que tout le monde sait qu'il existe une loi ici. Il dit, contre quiconque ou homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure, hein, sans avoir été appelé, celui-là, ce a la vie sauve. C'est-à-dire, quand le roi t'appelle, tu viens, tu as une vie sauve, n'est-ce pas? Il dit, moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Vous comprenez sa réunion? Elle dit, je n'ai pas été appelé par le roi. Ah, pasteur Armand, que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien. Je n'ai pas été appelé, ça fait 30 jours. Vous comprenez? C'est ça qui est dit. C'est pour ça que le roi prend les eunuques, les gens qu'ils ont castrés pour les mettre près des rois. Il dit, je n'ai pas été appelé. Hein? Le verset 6, hein? Elle dit, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Elle dit, ça fait 30 jours, je ne veux pas mon mari. Peut-être tu me charges d'aller demander au roi. Mais il ne m'a pas encore invité. Sauf cela que celui qui lave un roi, on l'appelle unique, incastré. Pour ne pas que le roi rende témoignage après. Et lorsque les paroles d'Esther eurent été rapprochées à Mardoché, elle a envoyé des gens parler à Mardoché. Voici la situation. Comment tu peux me mettre dans les problèmes comme ça? Le verset 13, on dit, Mardoché fut répondre à Esther. Il a donné son droit de réponse à Esther. N'imagine pas que tu échapperas. Il dit, mais tu es juif, hein? C'est vrai que ton mari, mais il ne faut pas t'imaginer que tu échapperas. Hein? Seul dans tous les juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14, car si tu t'étais maintenant, waouh, amen. Dis amen. Dis amen. Je veux voir des amen. Il dit à Mardoché, dis à Esther, même si tu t'étais maintenant. Si tu te tais maintenant, si tu te tais maintenant, si tu ne fais rien maintenant pour m'aider, si tu ne fais rien maintenant pour m'apporter ton soutien, si tu ne fais rien pour apporter le soutien au peuple de Dieu, Esther, tu ne fais rien pour apporter le peuple à le soutien au peuple de Dieu. Écoutez très bien. Mais il a dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira. D'autre part, pour les Juifs, la délivrance suscitera d'autre part par les Juifs. Vous comprenez? Par les Juifs, écoutez très bien la parole de Dieu. Nous allons, il dit, et toi et ta maison, vous périrez. Car ainsi, si ce n'est pas pour un temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Voilà, donc elle dit, ah, mais c'est parce que, est-ce que tu ne sais pas que c'est parce que Dieu veut te bénir, qu'il nous bénit, que Dieu t'a envoyé là? Ok? Maintenant, écoutez maintenant la réponse d'Esther. Elle a commencé à avoir peur. Elle a dit ici, le verset 15, envoie et dit à Mardoché, va, rassemble tout le peuple et qui se trouve à Suse et gênez pour moi. Gênez pour moi. Et ça, c'est vraiment très important. Gênez pour moi parce qu'en temps normal, non, ce n'est pas possible la situation-là. Non, mais la seule chose qu'on peut faire pour briser ce mur-là spirituel, allons-y dans le jeûne. Amen. C'est pour dire que le jeûne est vraiment important par moment. Le jeûne est important. Le jeûne et prière est important. Il dit, allons-y dans le jeûne. Allons-y dans le jeûne. Elle dit, et Esther envoya le verset 15, Esther 4, le verset 15, Esther envoya, dit à Mardoché, va, rassemble tout le peuple et qui se trouve à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, 3 jours, 3 nuits. Sans manger ni boire, 3 jours et 3 nuits. Vous comprenez? Et moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'irai chez le roi, malgré la loi. Il a dit malgré la loi, parce que il faut que je traite la chose sur le plan spirituel. Rien ne va chez toi, ton patron veut te chasser, ton mari veut te divorcer. Rien ne va, ton entreprise est en train de tomber. Et tu es là, tu regardes, tu pries, mais écoute, les choses sont en train d'arriver. On dit qu'ils ont prié, on prié, on prié, on prié, même adoché la désolation, ils priaient. Et puis à un moment donné, ils ont dit, attends. Faisons la vitesse supérieure dont ils se sont retirés. Voilà. Elle dit, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Elle dit, mais attends, il faut qu'on. Excusez-moi. Il faut que quelque chose se passe. Donc, il faut qu'on jeûne. Ils ont commencé à jeûner.
Ils ont commencé, n'est-ce pas, à jeûner. Donc, elle a commencé à dire. Et quand vous lisez le chapitre 5, vous continuez dans le chapitre 5, vous comprenez que, j'ai oublié de lire le chapitre 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, et le roi étant assis sur le trône royal dans la maison du roi, en face de l'entrée de la porte, lorsque le roi vit Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Dis Amen. Elle trouva grâce à ses yeux. Dis Amen. Elle trouva grâce à ses yeux. Parce que Esther a prié. Elle trouva grâce à ses yeux. Vous comprenez? Elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bois, le sceptre. Voilà, il toucha le bois. Voilà, parce que il y avait une loi, hein, n'est-ce pas, qui interdisait des gens que le roi n'avait pas invité dans la cour. Alors, si tu, même étant ta femme, que tu allais dans cette cour, il sera difficile. Voilà, donc, et c'était vraiment difficile. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Et la chose qu'elle a fait, c'est jeûner. Toi, tu n'arrives pas à jeûner. Donc, voici Esther a jeûné. Et puis, les choses ont changé. Quand elle a fini de jeûner, elle a prié. Quand c'est comme ça, ce jeûne-là, vous priez, vous vous retirez. C'est un jeûne. Et le jeûne d'Esther, vous vous retirez. 3 jours. C'est-à-dire 3 nuits, 3 jours. Vous coupez le 4e jour. C'est-à-dire vous commencez le jeûne à partir de minuit, 1 minuit. Et puis le lendemain, minuit, c'est là, ça se coupe. Et le 3e, le 4e jour matin, ça se coupe. Mais ce jeûne-là, on se retire. Vous retirez tout ça, vous coupez avec cette histoire de Facebook. Vous allez vous retirer pour que le Seigneur se manifeste. Voilà, pour que le Seigneur se manifeste. Oui, merci Nathalie, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc vous retirez, vous jeûnez, vous priez. Vous retirez, vous jeûnez, vous priez. Et vous veillez, vous allez voir Dieu se manifester. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Après ce jeûne-là, vous ciblez la situation. Si c'est quelqu'un qui vous en veut, vous gênez, vous restez dans la maison, vous dites voici la situation, vraiment, je ne sais plus où mettre la tête. Et tu parles à la situation et tu verras ce que Dieu fera après. Voilà. Le jeûne a forcément un impact positif. Quand vous jeûnez, ça a forcément un impact positif. On mange sûrement, on mange. Quand on voit pizza, on est dedans. Quand on mange, on voit tikriti, on est dedans. Même ricoucher, même là. Ah, par moment, même, on ne veut pas laisser ricoucher. On ne veut pas, surtout ricoucher. Ricoucher, il y a escargot dedans, sauce graine, escargot, tikriti, un peu de tikriti dedans. Quand on sait qu'on a mangé ça, on a peur de gêner parce que rater ricoucher, où il y a, crabe, polo dedans, il y a polo, il y a crabe, il y a tout ça, et tikriti. Ouais, on préfère. Bon. Et frère, faut gêner. Faut gêner. Ici, les gens mangent sûrement. Hein, ici. On est sorti hier se balader un peu dans la rue de Manhattan, ici, à New York. Les gens même sont en train de manger sûrement. Il n'y a pas un. C'est qu'un pays où il y a is là. 1, 2, is. L. C'est-à-dire, is là. Il y en a jusqu'à 5 et puis il y a L dedans. Hein? J'ai vu Raph. Il y a un monsieur qui a porté Raph. J'ai mis Raph. Raph qu'on aime nous tous là. Mais pour lui là, c'est robe. Chez Djoula, on appelle ça Dregeba. Il a porté Dregeba. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Eh, le gars, il est comment? Il faut respecter Raph, hein? Il faut respecter Raph. C'est Dregeba. Et quand il marche, mais tu lui demandes, mais est-ce que le monsieur là-même là? Attends, est-ce que je vais lui prêter un peu mon souffle, va respirer un peu. Et il mange, il en est, et puis il est en train de manger. Il dit, ah, pardon, il dit, pardon, il faut laisser manger, il y a quoi? Laisse manger, attends, c'est forcé ou bien c'est, attends, laisse manger. Il mange. Tu le regardes, mais on dit ici, on ne le regarde pas trop. Hein, ben, tu le regardes trop ici, là. Non, c'est extra large, oui. Extra large. C'est le pays où c'est extra large. Je leur dis, ils n'ont qu'à venir me prendre. Hein? J'ai fait le travail de décressage. Je l'ai décressé. Mon cabinet, il est prendre 2 heures du temps pour dégraisser. S'ils sont quittés là, ils ne vont plus toucher à manger. J'ai appuyé les ventes là.
Quand cela va sortir dans leurs narines, ils vont maigrir. C'est pas là ou bien. Donc, pour moi, il faut laisser la sauce graine. Ils aiment boire coca. Ils aiment boire coca, ce soda. Ils aiment boire. Ils aiment boire coca, hein. Soda. Même l'enfant, même, c'est trois. Nous-mêmes, on porte deux is. On porte un is là. Moi, chez Isel. Tu vois un enfant de 6 ans, il a 3 is. Ah, bébé, il y a quoi? C'est qui porte la main? Moi, je peux faire ça pour faire chemise et culotte. Un bébé de 5 ans, ici, là, il fait is, 3 is et puis L. Un bébé. Non, moi, je fais is, L. Heureusement, je fais extra large. Heureusement que je viens de perdre 12 kilos. J'ai perdu 12 kilos. Voilà, j'aurais plus le sport, j'ai perdu. Et c'est thérapeutique. Voilà, donc je dis, il faut gêner. Il faut gêner. Et par moi, il faut laisser la nourriture. Il faut commencer à prier, à gêner. Donc Esther est rentrée dans cette gamme-là. Elle est rentrée, elle a vu que la situation-là, elle ne peut pas. Elle ne peut pas aller négocier. C'est pas négociable parce que c'est une loi. Elle n'est pas négociable. Donc, il faut prier. Donc, la prière, là, frère, c'est vrai, elle est bonne, mais il faut ajouter de ça le jeûne. Le jeûne. Et tu verras la puissance du jeûne. Il y a une puissance dans le jeûne et de prière. Quand ils ont jeûné, elle a dit, ok, elle est rentrée dans la cour. On lui a fait trouver, n'est-ce pas, grâce aux yeux de son mari, parce qu'elle a prié. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que tu aies trouvé grâce aux yeux de ton patron, aux yeux de ton mari, aux yeux de ta femme? Que tu fais quoi? Tu fais quoi pour que ton entreprise ne tombe pas? Tu fais quoi pour que les choses... Ouais, tu fais quoi? Le problème, c'est que tu es là et puis les choses arrivent. Mais tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Et c'est cela qu'il faut gêner, prier. Il faut le faire. Si tu avais un esprit de manger, parce que les gens, ils mangent jusqu'à 2h du matin. Il y a les gens, eux, ils ne jouent pas avec eux à faire de foutu. À minuit, ils mangent. On est chat. Bon, donc la question, on m'a posé hier la question, est-ce que quand une femme est indisposée, elle doit gêner? Si, ça ne gâte rien du jeune chrétien. Ça ne gâte rien du jeune chrétien. Est-ce que quand une femme chrétienne veut faire jeûne d'Esther, est-ce que son mari peut faire l'amour avec son mari? Excusez-moi, elle peut avoir des rapports sexuels à son mari. Non, le jeûne d'Esther, il faut négocier avec un monsieur. S'il est lapin, tu lui dis, monsieur, lapin, excuse-moi, franchement, je sais, je te comprends, mais 3 jours là, pardon, ça ne va pas te tuer. Laisse-moi aller gêner, et puis bon, après ça, ça va se passer. Parce qu'il faut négocier avec le monsieur, c'est important. Le corps que tu as ne t'appartient pas, c'est pareil pour lui. Il faut négocier. C'est les questions qui me revenaient, tout ça. Est-ce qu'une personne... malade, ça dépend. C'est ce qu'on appelle une combustion dans le jeûne. Qui prend des médicaments, peut laisser les médicaments pour jeûner. Oui, moi j'ai déjà vu des personnes qui ont laissé des médicaments, qui sont rentrées dans un moment de jeûne et qui Dieu les a guéris. Voilà, donc le jeûne là, d'Esther, franchement c'est un jeûne où, n'est-ce pas, s'abstenir de nourriture, d'eau, pendant 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Voilà, c'est quand on est coincé, quand on voit que tout est bizarre autour de nous, la situation dans laquelle on se trouve, le foyer, n'est-ce pas, difficile. Par moment, il faut se retirer. Tu vois que tes choses échouent. Il faut rentrer. Tu vois que, n'est-ce pas, tout se croule autour de toi. Laisse tout, va gêner. On me demande si on peut préparer. Ah, franchement, aller préparer sauce, graines, tikliti, et puis faire jeûne de 3 jours, tu seras agressé. Une agression nasale. Tes narines seront agressées. Tes narines seront agressées. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de manger. Donc voici un peu le jeûne. Donc nous allons évoluer un peu après, demain, n'est-ce pas, dans le jeûne, la puissance du jeûne. Donc il y a une force dans le jeûne. C'est pour cela que par moment, il faut que tu jeûnes 2 fois dans la semaine. Parce que même la science même aimerait que le corps se repose au moins sûrement. Il faut que par moment, le corps aussi ait la possibilité de se reposer. Voilà, donc voici un peu. Oui, l'agression nasale. Tes narines seront agressées par les odeurs. C'est comme les mortaniens. Vous connaissez bien les mortaniens? Les mortaniens, vous voyez là.
entre et prépare entre 13, midi et 13 heures. Quand Mortané prépare, tu attends. Eux aiment oignon. On appelle ça djaba en djoula, djaba. Oignon. C'est oignon là. Oignon du Mauritanien. Vous connaissez, c'est les garçons qui préparent là chez les Mauritaniens. Oignon et puis viande. Mais c'est, ça prend le quartier. Oignon, ça veut dire djaba et viande que le Mauritanien fait là. Souvent, tu même, tellement que tu es tenté, tu vas acheter bonbon 10 francs. Juste pour voir le plat si Mohamed peut t'appeler. Parce que l'odeur prend le quartier. C'est ce qu'on appelle agression nasale. Ça graisse tes narines. Comprenez? On ne peut pas aller. Donc, tu es là, tu vois, dans casserole, il met oignon, djaba, il met viande. Et cette odeur-là, ça attire tous les chats du quartier. Les chiens mais sont là. Les petits mais ils vont appeler. Ahmed, Mohamed. Mohamed, donne-moi bonbon 10 francs, c'est pour regarder. Oh, tu vois, c'est blanc le riz là. Il n'y a même pas. C'est blanc, viande là-dessus, oignon. Tu dis, ah, c'est à cause de ça là. Hein? Et puis, c'est ça là qui m'étend comme ça. Puis, tu fuis de la boutique. Nous, on a été trop entêtés comme ça aussi. Voilà, donc, tu ne peux pas aller préparer. Parce que quels sont les jours précis? Non, le jeûne, ça se prépare. Il n'y a pas de jus spécifique pour jeûner. Voilà, il n'y a pas de jour spécifique. Tu trouves un temps, c'est d'avoir un temps. Tu t'organises, tu règles tout autour de toi, monsieur, ou bien ton entourage, tu parles à tout le monde. Tu t'attrapes une résidence, tu fais trois jours, trois nuits dedans, tu ne sors pas, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Trois jours, trois nuits, c'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Au quatrième jour, les choses se règlent. Ne prie pas pour papa, non, tu es allé pour jeûner pour quoi? Mon foyer, reste sur le sujet de ton foyer, reste sur le sujet de ton argent. L'argent que tu veux, ton visa reste là. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. On se retire pour ça. Voilà, shalom, que Dieu bénisse. Je pars au sport. J'ai le moral très haut. Un véritable enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Vous savez, on va toujours vous attaquer. Ils diront tout ce qu'ils vont te dire. J'entends des messages. Je vois les choses, les méchancetés que les gens disent sur moi. Tout ce qu'ils rencontrent sur moi. Voilà. Mais je suis serein. Parce que je me dis, c'est une bande organisée. Je ne suis pas la première personne qu'ils attaquent sur les réseaux sociaux. Moi, je leur dis toujours, si le prophète Crasso aimait l'argent, je serais aujourd'hui à Paris avoir une grande église de 2000 places. Je peux venir à Paris pour avoir une église de 2000 places. Je serais aux États-Unis avoir des églises aujourd'hui, mais je suis à Divo. Je suis à Divo. Je suis installé à Divo. Voilà, je suis installé à Divo. Et c'est ça qui les énerve. Je sors de nulle part. Et je remplis des salles. Dieu fait Dieu se manifeste au travers de moi. Il faut m'éteindre. C'est la stratégie même de la France. Parce que la France utilise la communication France 24, les différentes chaînes. Ils ont beaucoup de chaînes pour déstabiliser nos présidents français. Parce que la communication, c'est le quatrième pouvoir. Donc les gens là, ils ont une stratégie. Quand ils voient qu'un homme de Dieu est en train d'émerger, ils l'attaquent. Ils l'attaquent. Voilà. Ils rencontrent les choses à la con. Mais en même temps, ça te permet aussi, ceux qui croient en toi restent, tu vois un peu la loyauté de tes enfants. Moi, je ne me reconnais ni de près, ni de loin. Je vois, on dit, le prophète Crasso a violé. Moi, là, je ne suis pas vilain. Je ne suis pas vilain pour aller violer une femme. C'est quand quelqu'un marche. Je leur dis, c'est quand quelqu'un marche, il peut aller. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Je ne peux pas aller violer une femme. Je ne peux pas. Depuis, je suis là, je n'ai pas de problème avec la justice. Comme je disais, c'est eux qui vont répondre de leurs actes. Ils répondront de leurs actes parce que cette diffamation sur Internet, ça mérite des poursuites. Donc moi, je dis rien, mais ils sont en train de faire le travail dans les secrets. Tous ceux qui ont commandité tout ça, ils seront dévoilés. Bon, frère, allez, violer. Moi, j'ai violé une femme, pourquoi? Je ne suis pas un monstre. Excusez-moi, je suis un joli garçon. Je ne suis pas un monstre pour aller violer. Au contraire, beaucoup de femmes me draguent, même que ça soit sur le net. Mais la crainte de Dieu fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas tomber dans certaines choses. Voilà, donc les gens rencontrent les choses à la con. Moi, j'ai la crainte de Dieu. C'est cette crainte de Dieu-là qui fait que j'avance. C'est cette crainte de Dieu qui fait que Dieu m'ébellit et les gens me jalousent. Voilà, donc soyez bénis. Shalom. On a demain matin dans l'on poursuit. Bon, pour ceux qui sont ici aux États-Unis, nous démarrons un programme. Voilà, je ne suis pas vilain. Moi, je suis un beau garçon. Je ne suis pas vilain. Peut-être eux sont morts. Et puis moi, j'ai violé femme. Ça va m'emboîter quoi? Ça va m'apporter quoi? Ça m'a aimé quoi. C'est que les femmes qui me draguent. Voilà, Dieu m'a quand même bien créé. Heureusement qu'il a pris son petit déjeuner matin, il a fini de manger, puis il a dit, viens, je te crée.
Donc, je suis sorti beau. Bon, quelqu'un qui est beau va aller violer une femme, pourquoi? On dit violer. Mais vous voyez, c'est tellement dangereux ce qu'ils disent, violer de mineurs. C'est dangereux. Où sont les preuves de ce que vous dites? Où sont les preuves? Vous avez quoi comme preuve? Mais c'est dangereux. On aura appris par une personne tierce. Vous comprenez? C'est dangereux. Justement pour éteindre mon image. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas contents qu'on a l'orphelinat. Ils ne sont pas contents parce qu'ils disent que violer des mineurs. Donc, ça veut dire que le monsieur, les enfants que cela soit en danger. Ça veut dire, ils ne veulent pas voir les enfants heureux. Oh non, c'est bas. C'est dangereux. On se bat pour entretenir les enfants. Aujourd'hui, là, qui aujourd'hui peut laisser tout ça, mettre son argent en train d'aider les enfants? Donc on a créé l'orphelinat, ça vous énerve. Et vous traitez quelqu'un de violeur, de mineur. Depuis quand? Vous avez. Quand? Et vous rencontrez les choses à la con. Mais la justice. Ils vont répondre de leurs actes. Ils répondront de leurs actes. Mais franchement, c'est méchant. Les gens sont franchement. Souvent, ça dit, mais attends. Méchant jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. Moi, je n'ai pas. Ça ne touche pas mon cerveau. Voilà. Donc, ce soir, à partir de 21h, enfin, 18h, heure de New York, nous démarrons un programme. À 18h. 19h, 20h là-bas par là, il sera déjà 0h en Côte d'Ivoire. Il sera déjà 0h en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il sera 2h du matin en Europe, n'est-ce pas? Et vous aurez la chose en direct, ça sera en direct. Ne manquez pas le programme de ce soir, ça sera vraiment en direct depuis New York. Voilà, shalom à vous. Vous avez déjà l'adresse pour ceux qui savent connaître un parent. Il y a l'adresse. Shalom, que Dieu bénisse. Bonne journée à vous.